Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Frégate TV. Si vous nous rejoignez, on est ensemble pour la Frégate TV League saison 8 avec ses playoffs, le début de ses playoffs. Il y aura 3 stages au total. On est toujours sur le premier stage avec cet escalier des divisions, cette finale upper bracket, l'équipe de Déraciné du Sel contre l'équipe de Drunken Neutralis. Le first pick, mon cher, il est dans les pattes de Déraciné du Sel. Que peux-tu nous dire? Yep. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce Yo, mais on rappelle du coup que Salty n'est pas là. Donc, ce n'est pas, on va dire, un pick ban spécialement pour Salty qui joue d'habitude chez Drunken Neutralis, qui est plutôt un spécialiste de ce Yo. Par contre, c'est un héros qu'eux apprécient bien. On va récupérer un Ember aussi, du coup, ça va être ça leur ouverture. Et entre-temps, il y a un Spirit Breaker qui fait petit à petit, même carrément un grand pas, en fait, sa place dans le patch. Je me demande si ce n'est pas déjà un des héros les plus contestés du patch, en général. En pub, c'est très probable. Et un petit Jack Hero, donc lui c'est aussi, pareil, on va dire. Ouais, complètement. Petit Jack Hero. Pas mal, Ember, pour aller jouer contre Spirit Breaker, en tout cas, pour démarrer. Mm-hmm. Ouais. J'aime bien cette réponse, Ember contre Spirit Breaker. Du coup, c'est un peu plus chiant de jouer contre un Jack Hero. T'as un héros qui peut aller poser un stun sous tes pieds en retour de Sight of Fist ou de Remnant. T'as un héros qui dot qui va te flinguer ton Flame Guard. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas un peu... Enfin, il peut porter des ults, mais c'est clairement pas le meilleur porteur de ults du jeu pour aller contrer un SB. Et j'aurais tendance à... On verra si on aura le temps d'en parler dans ce draft ou dans la partie lista, mais j'aurais tendance à dire il faut absolument des porteurs de ults pour aller contrer un SB ou un héros qui lui casse la gueule. Mais lui est une réponse en mode « Toi, je peux t'ignorer avec ta vachette. » Ouais, carrément. Faut quand même faire attention, quoi. Faut avoir un œil dessus, mais clairement, tu peux très bien t'en sortir face à lui. Face à ce Spirit Breaker. Seconde phase de ban. Drunken Neutralis qui vont aller enlever le Slack et l'Underlord. Du côté de Déraciné du Sel, on va enlever le Grimstroke, le Morph et enfin la Spectre. Il n'y a plus beaucoup resté de carry là, si. Ouais, ça va encore, non? Il n'y a pas trop de ban des gros carry classiques. Genre, il y a encore toutes les Spectres qui sont up, les PA qui sont up, les Ursa, les trucs de ce genre-là. Il y a encore, effectivement. Un PA, déjà, t'as de la gêne hein, des deux côtés. Hein. T'as deux héros qui macro très très bien côté Déraciné du Sel et on sait que la PA est complètement inactive dans les phases de speed push. Et t'as un héros qui peut chase sur toute la map qui est Spirit Breaker. La chance que la PA a, c'est son blur qui lui permet de passer un vise et de remonter des lanes. Et Spirit Breaker ne peut pas la charge. Ou alors, faut qu'il charge un creep, que le creep meurt, ça se delay sur la PA. Ça se télécharge sur la PA, mais maintenant, faut de la réussite et ça arrivera pas tout le temps. Ouais, alors il me semble que ça, pour connaître un peu Ibrahim, il me semble que c'est l'ogre de Ibranski, ça. D'accord. Alors il joue quel poste, le chéri? 5. 5, je crois, et du coup, il me semble que ça va être le Jakiro de Fitz en P4. Ok. Ce qui nous amènerait du coup sur un Spirit Breaker de micro, probablement, ou alors un Spirit Breaker mid de Marvin, mais. Ok. Voilà, on verra. Il me semble que le duo de support, c'est effectivement Ibranski ogre et Fitz Jakiro, de mémoire. C'est deux de leur héros fétiche. Sachant qu'ils ont un stun reliable avec l'ogre magie. Choper l'Ember, ok. Ils ont l'Icepass, tiens, on en a pas parlé, mais pour empêcher les relocate back du Yo. Un peu l'image d'une chrono, vous savez, ce que font les carries à haut niveau, très haut niveau, qui tentent de faire, et ce qu'ils réussissent même avec Brio généralement, c'est d'allonger les chronosphères pour empêcher le Yo de tether relocate le coéquipier qui est en train de se faire focus par l'équipe avec le Faceless Void. Lorsque vous allez allonger le chronosphère, le Yo, au moment où il va tether, si jamais il a mis sa relocate peut-être un peu trop tard par rapport à son taser ou son taser trop tôt pour essayer de relocate back le pote, mais il va s'accrocher, il va se rapprocher du poteau et il va se prendre la chrono. Avec Jack Hero, vous pouvez tenter de faire la même avec plusieurs levels d'espace. Ce qui généralement arrive assez tôt. Hein. J'ai l'impression, Ista, tu me corriges si t'es pas d'accord, mais Jack Hero, plus on avance dans les patchs, plus on a moins tendance à delay les points sur l'espace si on joue en utilitaire, si on joue en support. Peut-être qu'en P4, tu peux encore te permettre, mais notamment en P5, pour moi, il est même quasiment monnaie courante à l'heure actuelle de voir un build à base de 2-0-1, puis full ice pass avec un petit point d'ulti. Oui, je suis bien d'accord, effectivement. Mais l'héros a quand même beaucoup d'offres. C'est un héros qui est très versatile, quoi. Il peut faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Que ce soit sur les items, sur les spells, enfin, tous les petits buffs qu'il a reçus sur Liquid Fire, sur la cast point de son Dual Breath, qui est son premier spell. De manière générale, ça rend... Le héros, je trouve très très versatile, très stable. Donc j'aime beaucoup Jack Hero sur ce patch. Du coup, Mars Rubik en dual off, probablement, côté des RDS. Ouais. D'accord. Bon.
Ah, j'aurais tellement aimé qu'ils prennent un offlaner pour casser la gueule au Spirit Breaker. Attends, il va être où là ce Spirit Breaker? Ça va être un Spirit Breaker mid ou ça va être le... Ah non, c'est Nightstalker carry de Seafield. Ouais, ça y ressemble bien en effet. Boosté aux stéroïdes de l'ogre magie. Okay. Oh putain, qu'est-ce que c'est faible comme safe lane ça, Nightstalker ogre magie, mon dieu. Ah ouais. Surtout contre Mars Rubik, tu te fais sacrément poke de loin. Après ça poke pas beaucoup à bas niveau quand même, Mars Rubik. Je te rejoins une fois qu'ils sont level 3-4. Mais ça veut dire que d'ici que tu passes level 3-4, le NS récupère la nuit et il peut commencer à jouer. On va dire que t'as passé la phase morte. Comme Rubik level 1, Mars level 1. Bon, pas du rêve quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, on verra bien. On verra comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur ligne. Honnêtement, c'est quand même pas non plus évident de tuer ce Nightstalker à la minute 5, par exemple. Donc pour peu que l'ogre bourre un peu la régène au début, ce qu'il peut bien faire, c'est pas trop trop problématique, je pense. Bon, ils ont des cancels de charge, hein, des racines des ficelles. Ils ont évidemment les routes de l'Ember, ils ont la reine du Mars, ils ont la lance du Mars, ils ont la télékinésis du Rubik. Je suis quand même un peu déçu de me dire, putain, ils pouvaient prendre des hard counters au Spirit Breaker en mode, ils vont lui chier dessus, tu vois. Genre des bons gros AOE à base d'Underlord, ou du bon gros Necrophos à base de... Tu te fous à côté du Spirit Breaker, tu shroud et tu lui dis, bah alors il se passe quoi là, tu vas à deux à l'heure. Mais bon, ça va faire le taf, hein. Ça va faire le taf, des racines et du sel, ils ont vu ce SB qui a été first pick. Il a l'air effectivement de manquer les deux P1, pardon, de chaque côté. Non, il n'y a pas un P1. Il m'a l'air de manquer, pardon, un P1 et un... On a l'air de... Attends, il pense à un P1, mais attends, mais non... Ouais, je crois qu'ils ont pas trop fait leur devoir pour le coup sur le Nestalker de Siegfried. Enfin, moi, ça me semble assez logique de le voir. Pour toi, c'est obvious, là? Ouais, pour moi, c'est dur de... Ouais, ça me paraît dur de voir autre chose que ça, là. Bah, disons que quand tu regardes leur position, ça me paraît très bizarre d'avoir un Spirit Breaker mid Nestalker P3. Ah, j'avoue, c'est greedy as fuck. Hein. Siegfried, il aime beaucoup ce héros, en plus. C'est bon contre Ember Spirit avec du stuff, c'est bon contre Yo... C'est là où t'as des phases de jeu vraiment où tu vas servir à rien, ton Spirit Breaker, tant qu'il a pas de network, tant qu'il a pas d'XP, quand c'est le jour, mon dieu, il se passe rien sur la map côté ouais. Si c'est le cas. Ouais, non, c'est pour moi, il faut que ce soit un NS qui ait du network. Et c'est une loulou qui va arriver côté des racines et du sel. En vrai, un truc bête, c'est que tu peux pas trop tuer une Nightstalker avec une Eclipse, que ça passe la nuit et que du coup, il peut juste partir plus vite. C'est ça a l'air con, dingue. Mais en vrai, de jour, ça peut être... un peu problématique, mais on se dit elle va être bien couverte, elle a un Yo derrière elle, le pic est pas délirant du tout, hein, mais... Et puis de nouveau, je sais pas, alors bon, c'est un héros qui a un disable, mais il n'y avait pas mieux en termes de P1 pour aller gérer la vachette à terme. Pour moi, ça va être le gros point noir, hein. Tu en as parlé au début du draft, c'est un héros qui est très populaire, c'est Spirit Breaker. Ah, ok, alors ça c'est la belette de Marvinomide, ouais, exactement. Okay. Avec du coup un Nightstalker P1, et on a Micro qui joue Spirit Breaker en P3, d'accord, donc là j'aime un peu plus quand même, parce qu'on a... Qu'est-ce que ça peut faire la bagarre côté DU? Donc c'est bien SPP3, hein, pas d'arnaque. Ouais, c'est okay. Ça. Et ouais. Et niveau DU, on a call tous les héros. Okay. C'était à la bonne place, très bien. Côté DRDS, il n'y a pas de surprise, il me semble. Il n'y en a pas. C'est bien. Oui, ils ont un bon stéroïde autour de la Luna. Alors autant la Luna contre Spirit Breaker, pas dingue. La Luna contre Nightstalker, tu l'as dit. Si elle met son ulti, ça va faire courir le NS qui en plus sera sous Bloodlust. C'est pas la fofo. Mais par contre, un timing très très snowballesque à base de Yo Luna qui a fait ses preuves par le passé et qui continuera certainement à faire ses preuves pendant encore de très longues semaines, voire mois si Ice Rogue ne tape pas sur la gueule du Yo. Le Yo, on le connaît avec ce genre de héros, c'est un héros qui a fait ses preuves. Yep, complètement. Complètement. Et du coup, Yopoman, alors on rappelle hein, qu'il est trop MMR côté DRDS, il a quand même une game de Ruby qui est sympathique. Hein. Parce que l'Ice Pass c'est bien, le Bloodlust ça peut être sympa pour booster sa Luna en plus du Yo. Pas trop dur à voler en plus l'Ice Pass, ouais, enfin, pas trop dur. Vous m'avez compris. Les spells de Lodwing c'est assez incroyable sur Rubik également. Ouais. L'ulti qui est vraiment sympa avec. Ouais, l'ulti est bien. Avec ton talent de spell lamp que tu chopes, mine de rien assez vite. Ah, quoique il est 25 maintenant le talent de spell lamp. Ah oui, c'est la cooldown réduction qui est réduite. Ah, ok. Du coup, c'est plus le Bushwhack qui est très bien volé sur ton Rubik. Bushwhack par contre c'est vraiment incroyable pour le coup. Alors vous inquiétez pas, c'est moi Hamster qui est proche de faire une tachycardie, c'est normal si on est à 10 de FPS, potentiellement la semaine prochaine, ce sera la fin. C'est bon. La tachycardie évidemment. Les secours arrivent d'Allemagne. C'est ça. J'espère. Ouais, d'accord. Très bien. Tu préfères lequel des deux drafts du coup, toi, Ista? En vrai, à jouer,
Celui de DU, il est trois fois plus marrant. Parce que tu chasses des gens de partout, ça peut être complètement snowballesque. Par contre, en termes de stabilité, putain, qu'est-ce qu'il est dur à bouger, celui de DRDS. Va falloir foncer dans un mur et l'exploser côté DU, parce que il est sacrément bien bâti, ce mur. En fait, j'ai juste des doutes sur à quel point est-ce que ce Night Stalker va pouvoir s'exprimer avec l'arène, avec le Yo qui va pouvoir relocate back, avec tous ces petits contrôles là. C'est bien ce que vient de faire Imbretsky là qui révèle le positionnement des racines et du sel. Ouais. Si jamais ils prennent trop de temps, ils vont même pas tuer l'ogre magie. Oh, joli Imbretsky. Et là, ils vont être baisés, hein, des racines et du sel. Ils vont devoir se contenter de deux Bounty. Et du coup, bon réflexe côté des U qui vont aller s'emparer des Bounty à l'ouest de la map. Yep. On aurait aimé s'emparer d'un petit kill au passage. On grattera quelques informations. Et attends, micro, il a pas dit son dernier mot. Je suis pas sûr que t'as envie de contester cette Bounty face à Yoluna. Oh, on est d'accord. Pour l'instant, Intech, ça joue du right-click qui aura un peu plus d'APM que Fitz. Et oui, c'est ça d'être un boomer, Fitz. Aïe aïe aïe, direct quoi. Je sais qu'il ira voir la VOD donc. À deux doigts de parler de la calvitie quoi. Aïe aïe aïe, bon bah alors ça, là, j'ai rien à dire. Hein. C'est pour ça, je me permets. Moi, j'ai encore le temps pour ça. On pense toujours qu'on a le temps. Alors, Obi, du coup, on aura le match-up Bullet contre Ember. Matchup où l'Ember doit être réactif sur sa Keenblade pour couper les arbres de la belette, pour l'empêcher de l'accrocher. C'est un matchup où les deux vont farmer. C'est un matchup où l'Ember, je dirais, a un tout petit peu plus de pression à mettre s'il se fait pas trop bully sur les pré-minimi niveaux. Notamment avec, vous savez, ces fameux matchup range qui ont des ronds. Qui a quand même de l'armure, hein, la belette. Mais voilà, avec des levels de Sleight of Fist, avec un petit corrosion, potentiellement la belette, elle fera pas trop la maline. Mm-hmm. Ah, et puis Marvin, il connaît son matchup. Hein. Bon, déjà, il a plutôt un OMMR. Hein. Il me semble qu'il est IMO plus, Marvin. Et comme on le présentait tout à l'heure, Oozwing c'est un de ses gros héros au mid. Vous voyez, il est platine dessus, donc il maîtrise très très bien ce genre de match-up, je pense. Surtout qu'Ember Spirit, c'est pas comme si c'était un héros rare au mid. Va falloir se méfier, quoi. Oh bah, on voit Indy d'épauler de DNZ qui siphonne pour l'instant la vague de creep. On est sur deux offlane qui sont quand même assez passives à bas niveau. On en a parlé pendant le draft du Rubik Mars, pour l'offlane de DU, c'est un peu le même délire. Hein. Il faut de l'XP sur ce Spirit Breaker pour avoir les premières charges. Peut-être les premiers levels aussi sous ce Jakiro. Il faudra faire attention à la focus d'ailleurs, parce que c'est typiquement le genre de lane Yo Luna ou Yo plus whatever. Si tu commences à focus le mec qui est accroché au Yo, mais que tu n'arrives pas à le tuer, d'ailleurs le Yo le tient en vie et que ça turn, tu te prends le turn de ta vie. Hein. Typiquement, ah oui. Là, quand tu commences à faire des petits pas de côté, tu prends des vieux bad trades. Il est mort là, non, donc. Il a eu raison, Indy, hein, de continuer à dive. Hein. Ouais. Il a eu raison, hein, parce qu'ils vont lui mettre une pression d'enfoiré. Hein. Je suis même surpris qu'il ait cassé le Link, parce que je pense qu'il était bien mort, s'il y avait le Bing qui revenait en 4 secondes. Ah, il a peut-être sous top avec le Bing. Mais bon, au moins, il est fourculé, il est fantomé le PV. Peut-être qu'il n'a pas acheté de Sentry, qui pourrait se permettre d'en acheter une. Non pas pour aller bloquer le hard camp, mais pour aller débloquer le small camp. Mm-hmm. Fitz qui est en train de faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Fitz? Il va aller débloquer le hard camp. Il a de l'achat, Fitz. Hein. Parce que alors cette Sentry, mec, elle couvrait pas ton camp. Oui, en effet. Complètement. On rappelle, alors maintenant, on peut facilement poser la Sentry dans le camp pour tout couvrir et après la deny. C'est quand même plus safe que de faire ça. Ouais. Mais bon. Et on commence à consommer beaucoup de ressources si on abuse de l'overcharge et du taser de la part de DNZ. Tiens, on va voir un truc. Moi, j'ai vu beaucoup de duos récemment qui avaient tendance, tu sais, à ne pas prendre de points de spirit et qui prenaient des stats à la place. Évidemment, ouais. Avec le taser et l'overcharge en priorité, ça, je pense que tous les joueurs de Yo support vont le faire. Mais avec des stats ensuite, et je trouvais ça assez intéressant, on arrive assez rapidement sur des Yo qui arrivent à pas trop mourir dans une game à autour des 2 KPV à la minute 30-35. Mm-hmm. On fait des tas. Conseiller qui était snipé au mid, conseiller de Kine qui était allé chercher la bounty de son adversaire. Ouais. Bon, le courrier s'est un peu offert à Marvin quand même. Il était au-dessus de ses escaliers donc. Gestion de poney. Ouais. Oh, Luna est déjà tellement riche. Ouais, c'est clair. Elle va pouvoir prendre si vite des levels de glaive avec sa Luna. Clairement. Oh là là. Clairement. Et là, Fitz. Oh. Et c'est la mort, hein. First Blood de secure par DNZ. Il fallait le prendre celui-là. Avec ce Yo qui va pouvoir rusher un holy locket. Attention à la safe lane de Déracine et du sel. Parce que, alors, autant si la game se tasse, je trouve que c'est pas une très bonne game de Luna.
Mais voilà, hein, Yoluna, ça peut de V5. Hein. Ah oui. Oui, complètement. Complètement, d'autant plus que... Bah, encore une fois, il n'y a pas spécialement masse de burst. Il y a cette Oudwing, quoi. Mais dès qu'il y a BKB, par exemple, sur la Luna, ça va être tellement dur de tomber cette loulou. Ah, au top, on n'en avait pas encore parlé, Sirkfield, qui du coup se doit d'être patient sur cette lane, dominé légèrement par Intech pour l'instant. Bientôt, ça va être le premier timing de nuit avec le Gros Magique qui a 8 charges de stick, et un stick aussi bien rempli sur Sirkfield, avec des mangos. À tout moment, ça peut partir, hein, côté des U. Yep. Bon, on s'attend quand même à ce que DU essaye de passer la seconde sur la nuit du Nightstalker. Il y aura en plus le niveau 6 de Marvin qui va arriver en même temps, donc c'est peut-être le moment où ils vont pouvoir essayer de faire des décales sur les lignes et essayer de retourner un peu la situation. En plus, ça coûte tellement rien de décale avec une Hoodwink. Ouais. Genre, le héros est design pour décale. C'est comme, rappelez-vous, les Snapfire mid, là, ou les Sniper mid, même si le Sniper, c'est un peu moins prevalent, mais genre, tu te fous dans la river, tu tires un ulti, et puis tu touches le mec, il meurt. Ça, sans même avoir besoin de commit sur la lane. Hein. Mm-hmm. Et au top, on voit d'ailleurs cette première phase de nuit pour Sirkfield, qui est en train d'en abuser. Il y a un style bien chargé, Sirkfield. Oh, il a été gourmand. Oh, la grid. Ouais, c'est un peu dommage, ça, quand même. Hein. Ah, ça, c'est du grid. Hein. Ça, c'est du grid où je m'y connais pas. Ah, surtout que ce qu'il a à donner, il est pas dingue, parce que c'est pile sur le moment où toi, t'as envie d'accélérer. Non. Et au bot, Crow, qui va devoir charge out. Au top aussi. Le genre de charge qu'on a envie de voir. Ibrahim va mourir. Aïe. Manque de patience là sur ces sidelines côté DU. Est-ce qu'il meurt avec son Mars quand même? Il a un coup de stick, il a un coup de bouclier. Ok, il est tombé quand même. Sur les clics de ce NS, faut quand même pas déconner. Bon, il y a pas de trade avec son Rubik. Okay, il va prendre le trade avec la Fate Bolt. Il y avait des Fairy Fire. Fasse attention sur le tour de l'Ogre Magique qui arrivera avant son Mars. Ça va être à Marvin maintenant d'essayer de restabiliser, je pense, ses sidelines. Mm-hmm. Quel build ça fait avec son Ember? Et en plus, l'Ember a commencé à maxer les State of Fist. À moins qu'il arrive à solo kill l'Ember. Ouais, dur quand même. Bloquer un Ember comme ça alors qu'il a le Flame Guard. Ouais. Bah, il est pas maxé ce Flame Guard, mais il faut installer un plan de jeu côté DU assez rapidement. T'as un Spirit Breaker qui peut essayer de faire profiter une autre lane, mais il est en P3, donc je pense qu'il a envie de farmer. T'as un Jakiro qui peut pas bouger. T'as un Ogre Magique qui peut pas bouger. Ou alors tu gambles sur un timing BKB Nightstalker. Ou alors tu dois d'ores et déjà réfléchir aux prochaines minutes en mode on est en train de perdre les lanes. Il faut bouger. Au mid, Tierdwing qui est déposé. Il est une régène en plus cet Ember. Ouais. C'est un peu gratos, mais. T'as pas beaucoup de cooldown, le Tierdwing, donc on peut pas hésiter à les mettre. Ouais. Bon, après, le problème c'est qu'il y a une régène, effectivement. Du coup, ça annule quand même un petit peu l'utilité de tout ça, mais. Mais bon. Et au top, pardon, j'ai loupé le Gros Magie. Ouais. Kepoman et Intech qui viennent punir Hybridski. Moi aussi. Siegfried, il part sur Eco Sabre, sur son Nice Soulcur. Ok. Avant une dague ou quoi que ce soit. Un item qu'on voit quand même de moins en moins maintenant sur Dota en général. Hein, sur Hero Force, pourquoi pas, à la limite. Bah, oui, c'était déjà les anciens porteurs avant que l'item soit broken. Déjà les anciens porteurs avec l'item soit broken, effectivement bien vu. Troisième kill, hein, pour cette safe lane côté des racines du sel, avec la Luna qui va pas tarder commencer à prendre des points de mood glaive, je l'espère. Ouais. Qui s'arrête là au point de Lunar Blessing. Parce que là, clairement, il peut rentabiliser les bois avec sa Luna. Hein. Là, clairement, il peut aller se faire le hard camp en même temps. Hein. Mm-hmm. Le Yon en plus a tenté de lui faire un stack, il s'est un peu loupé. En vrai, je comprends un peu son build parce qu'il est tellement bien sur cette ligne. Et faut rappeler que l'overcharge de Yo, c'est pas que de la S. Et, clairement. Genre, là ça suffit quoi. Là, genre, t'as pas besoin de ton Lunar Blessing, c'est bon, tu peux arrêter. Là, il peut reprendre un point de Lunar Blessing, mais il fallait au moins un point de glaive. Là, c'est le moment d'optimiser la jungle. Là. Ouais, clairement. Et ouais, stop. Aïe. Je suis arrivé tout juste à la fin. J'ai pas eu d'arène. Mais... Safe, ouais. Oh, ça serait bien qu'ils perdent pas sans jouer des U. Parce qu'ils sont déjà à 3K gold derrière. Il n'y a aucune rotation qui a été faite sur la map. Et ils sont pas en train de. D'appliquer un petit pansement là, un peu de pommade sur la play malheureusement. Parce que là, ils vont se faire outfarm le cul. Hein. Et putain, je viens de quitter le top. Et le Ruby qui avait volé l'arène. Non, c'est le Mars qui avait. Pff, c'est le Mars à côté de lui, je suis bête, pardon. Ruby qui avait volé le Void qui est déjà level 6, quasiment level 7. Ah, il est bien, Yopoman. Hein. Il passe une sacrée game pour le moment. Il y a déjà des Arcane Boots en plus, il peut bouger un peu partout.
Là, c'est ce qu'est en train de vivre DU, c'est facile à décrypter, c'est très difficile à mettre en place. Parce que DU, ils peuvent pas se permettre d'AFK farm, pas avec leur line-up, pas contre Yoluna. C'est à eux de mettre du mouvement, c'est à eux de faire peur à leurs adversaires. Dans une minute, on va quitter la nuit. Il faut faire bouger ce NS, ou il faut faire bouger cette Odwing, ou il faut faire bouger ce Spearbreaker. Pour moi, c'est l'Odwing qui doit bouger pour aller aider ses side lane. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. On peut pas, ils peuvent pas rester sur ce setup-là passivement. Ils vont fade juste parce que en face ils ont demi-heure tool de farm, mais genre violemment. Hein. Une Luna à ce stade de la partie, qui est aussi bien lancée, genre elle est en train de se ramener madness à Luna. Hein. Elle va les désinguer au farm. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Et puis en plus, c'est pas une Luna solo, hein. C'est une Luna avec un Yo derrière. Ah non, c'est insane. Hein. Ça va pas rigoler, donc faudrait pas trop la laisser. C'est il y a quand même des petits stacks qui ont été faits côté DU là. Ils ont farmé au moins le gros camp avec ce Bara. Effectivement. Et d'ailleurs, le Bara qui va enclencher la première charge avec peut-être le premier team fight. La Luna qui, j'espère, a un TP. Si jamais ça fight pas loin de sa tour, elle peut se permettre de TP la Luna. Hein. Avec l'Ember qui va arriver sur la droite, qui va les mettre son route. L'Odwing qui va les poser son ulti. Le Mars qui va se faire slow par l'Odwing. Et l'Odwing qui va finir par tomber sur la lance. Pendant ce temps, il y a le NS qui va les poser son ulti. Le Yo qui va se ulti à son tour. Il y a une arène qui va être posée de la part du Mars. Les coupés nets, la teamfight, 2 DU qui ont pris un pick-off à raison de 2 points pour l'instant, qui doit être légèrement l'avantage de DU, même s'ils ont perdu leur solo mid. Intech qui risque de tomber à son tour, il a loupé le bouclier sur le micro, je sais pas comment il s'est démerdé. C'est un 3 pour 1 côté DU sur une side lane. J'en attendais et je suis satisfait qu'il ait réussi. Bien joué, c'est pas mal. Après, la Luna pendant ce temps est free farm et tu perds ta Odwing. Alors, c'est un peu craché dans la soupe hein, parce que c'est clair que. Ça, c'est inévitable dans tous les cas. La Luna va farmer. Hein. Genre, tu peux rien. Genre, c'est comme ça. C'est con, c'est triste, mais c'est. Genre, tu t'es fait stomp sur la lane, la Luna va farm. C'est QFD. Maintenant, c'est où tu mets un bus à la Luna, ou tu arraches le plus 4. Mais t'as pas le droit de rester passif. Mm-hmm. Oui, d'accord. Effectivement, bien d'accord. Je suis curieux de savoir ce que va faire comme build Marvin après ce Maelstrom là. Est-ce qu'il part sur un truc full right click, full dégâts pour essayer de. Bah, juste d'être chiant, à mettre des account shots un peu de partout et de proc, par exemple, des, je sais pas, des Daedalus, des n'importe quoi. Ou est-ce qu'il fait un build un peu plus magique comme on a vu avec Thompson? Ça pourrait pas être le starter pour ça, mais ça pourrait avec un Maelstrom. Il y a un truc intéressant qu'on a vu tout à l'heure, j'en parlais un peu dans le draft tout à l'heure, c'est Kinney qui prévoit de faire un Ulz. On verra quelle va être l'utilisation de ce Ulz. Par défaut, je suis correct contre une relocate au top sur Sickfield. Et même, je pense qu'il se fait solo kill en vrai. Il joke, hein. Oh le joke. Oh il est beau. Oh il est beau. Il est beau. Ah, mais il se fait solo kill là, non? Ils ont vu qu'il a coupé l'arbre. Il va tenter le dépôt, il va se prendre. Ah, il s'est fait solo kill par un Rubik. Et. Ouais, pas top. Très bien joué, Fit Solid va mourir. Et oui, Fit qui va se faire dive par l'Ember. Avec de maigres points d'espace. Blitzki qui va tenter de mettre un stun à son tour, qui va se cancel sur Slight Office de l'Ember. Ah, récupéré par le Mars. Déjà 5 à gold d'avance pour l'équipe de Déracine des Ducel qui ne joue toujours pas avec Saluna. Oh oui. Oh oui, ils sont bien en plus Déracine des Ducel là en l'occurrence. Ah, il faut rester frais côté DU. Il faut aller jouer sur la partie S de la map. Il faut abandonner le top. Essayer de push la T en bot. Il faut quelqu'un qui donne un petit peu le ton, le rythme, avec de la voix, si possible. De manière à punir cette Luna, la dégager de cette safe lane. Obligé à aller dans son triangle, jouer au nord-ouest. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'attendre ce Maelstrom d'Odwink là, mais il n'arrive pas mine de rien si tôt que ça, et pendant ce temps ils prennent beaucoup de retard. Snipestalker, il a abandonné son plan d'éco sabre et il part sur un armlet à la place pour essayer de suivre un timing plus early, je suppose. Faut pas qu'il joue au top avec son Snipestalker. Faut aller bot, bordel de cul. Allez bot, c'est fini, il va crever. Aïe, et les racines du sel en plein snowball, mesdames et messieurs, qui récupère une seconde brique. Ça, tu vois, ça aurait pu être trade, je pense, de la part de DU. Ou au moins forcer des TP backup. Genre là, ils forcent aucun TP backup, malheureusement. Genre, il y a personne qui est en place, il y a juste Micro. Il y a que Micro qui a compris le bon plan de jeu à appliquer à ce moment-là. Ils se doivent d'aller au bot au moins pour forcer les TP. Là, ils forcent rien, ils sont free farm en face, ils font ce qu'ils veulent, ils invadent les bois, c'est évident, ils sont plus forts sur leur plus 4, ils nous l'ont montré, ils nous l'ont démontré. Tant qu'il n'y a pas le Night Stalker avec la nuit en face, ça court. Aïe. Il faut jouer autour du micro, messieurs. La Luna, regarde la Luna. Regarde où est-ce qu'elle est. Voilà. Ah bah, il fait tomber dessus, quand même. Allez, est-ce qu'il y a du monde pour la Luna? Va y avoir une relocate sûrement pour venir la backup. Allez, on va tenter de la one-shot, le T-Spirit Breaker. Il y a un nouveau Void qui va revenir de la part du Night Stalker. Mais voilà. Et non, il faut Lio. Lio meurt. Et le Yo est mort, je pense. Le Yo est mort de l'Ignite, tu as raison. What? Le Yo va mourir de l'Ignite. Hein. Et ils ont perdu en échange. 2 pour 1. Le Spirit Breaker. Ça va.
Bon, Kicknet par contre, il est dur à tuer comme il a une arcane. Ok, il a plus d'arcane. Du coup, il a plus de mana. Kicknet. Ok, bon, là, tu vas Marvin. Il va les récupérer pendant ce temps, Marvin, avec une lance. Fitz qui va aller poser son dual breath. Lebur qui va continuer de snowballer de dive pour aller chercher Ibrinsky. Secure par Yopoman. Ah, c'est dommage, c'était la bonne idée. C'était la bonne idée côté TU, mais. C'est tard, hein. Oh, c'est tard, hein. T'as senti la différence d'XP de Networks? T'as vu le duo de support là, comme ils ont mis 10 ans à crever? Enfin, le Ruby qui est pas mort au final, mais le Yo qui a mis 10 ans à crever, le Ruby qui, on ne sait trop comment, a eu un taux incalculable de dégâts dans cette fight. Regarde ça, il a fait autant de dégâts que son Ember et qu'un Ruby qui a 14 minutes de jeu. C'est pas normal qu'un Ruby qui fait 4 fasse autant de dégâts. Il a eu le temps de lâcher 3 Fate Bolt. Ah, il est trop bien, il est pas mal dans la game en plus. Hein. Après, 10 mec, il y a moyen que ça les motive des U en mode ok. On vient de faire un move qui était à peu près correct bot, c'était pas incroyable, mais c'était pas mal. Si on retourne bot, potentiellement on va s'y installer. Et regarde, il a eu le bon réflexe Indeed, hein. Lui il a compris, hein. Bot c'est pas safe pour lui. Hein. Et ça l'était pas depuis déjà 5 bonnes minutes de jeu, même plus. Et en plus il y a un petit stack qui l'attendait dans le triangle. Qui part sur un gros timing du BKB avec sa boule. Ouais. Et mon dieu, qu'est-ce qui va être dur à tomber quand même. Avec sa Luna là. Et Yo en plus qui a fait mecha d'ailleurs, pas Holy Locket. Ça c'est quand vous êtes très très bien sur vos Yo, faut pas hésiter à faire mecha d'abord. Ok, d'accord. En fait, tu profites plus d'un burst de heal, concrètement. Ouais. Le 275 sur toi qui est partagé et sur la Luna, ça fait plus ou moins 600 de heal que tu mets d'un seul coup. Ok. Donc s'il n'y a pas de vaisselle par exemple en face, ce genre de choses, ça sera toujours plus qu'un Holy Locket. Ok. J'imagine qu'il y a une valeur d'armure qui doit jouer aussi dans le blanc. Ouais. C'est assez anecdotique, mais bon. Yo se pull pour lui-même quand même pas mal d'armure. Bon, dans tous les cas, c'est le duo d'items hein, qui va très très bien sur le Yo si on peut les sortir le plus tôt possible. Et derrière, vous avez la shard complètement insane hein, qui, dans cette game, peut être dévastatrice hein, s'il n'y a pas de BKB sur le Spearbreaker ou sur le Nice Talker. Yep. Et Cyphil qui. C'est bien de ne pas griller d'ailleurs qui va avoir besoin d'une BKB très early, notamment pour tanker le timing BKB Luna. En termes de BKB, on en a une aussi en préparation sur le Mars qui a déjà sa Wind Dagger. Il avait évoqué au bot. Vite qui meurt pour la sixième fois dans ce game. Et au top, il y a une charge qui est lancée avec un micro qui est en train de pulvériser la Loulou. Il va soit focus à l'aide de Sifil pour tenter de récupérer le Yo qui va lâcher le mécan sans barreau d'honneur. C'est très bien. Très très beau speed focus de la part de DU. Ouais. C'est vraiment super ce qu'il vient de faire. En l'occurrence, le très beau double silence de la part de Siegfried là. Mais c'est un truc de ouf. Siegfried. Siegfried, genre Siegfried, Fid. Mec, faut arrêter les voyelles. Faut mettre des consonnes, c'est plus possible. c'est lui qui initie encore, hein. C'est bien. Tout à l'heure, on avait le SB au bot, mais qui était rejoint rapidement par le NS. C'est comme ça qu'il joue, hein. De toute façon, avec l'Ornay Stalker, il joue très aggro, mais en général, là, on le voit pas trop depuis le début, parce que c'est vrai que c'est un peu timide et. Et timoré, mais là on le voit avec ce Maelstrom qui arrive pour aller récupérer skill, bien pour la protection du triangle. Un peu coquille côté des RDS. On a l'impression de contrôler 70% de la map alors qu'on est qu'à 17 minutes de jeu. Bah, en vrai, il joue un peu comme ça depuis tout à l'heure, c'est juste que là enfin DU commence à les punir. Parce que là ils sont pas spécialement plus loin que ce qui s'était passé juste avant le move bot, hein, où globalement ils étaient loin dans la jungle, loin dans le triangle. Oui. Là, on sent un peu plus à l'aise côté DU pour aller punir. Bah, d'ailleurs, on part un peu plus à l'aise. C'est un humeur qui sent bien à l'aise. Il va se faire silence quand même. Il craint pas grand chose. Hein, entre nous. On verra si c'est pas gourmand ce Hulse. Hein. Parce que, ok, Hulse contre Spearbreaker, contre NS. Il y a quand même à un moment donné de la partie. Si t'as pas fait BKB sur ton Ember et que t'as un NS qui te silence pendant 6 secondes, je crois, au max, 7 secondes au max. Ouais. Genre, la stature résistance, ça sert à rien contre le NS du. Contre le silence du NS. Hein. Ouais, et puis d'autant plus que niveau 20, ça arrive vite sur un NSP1. Niveau 20, t'as quand même presque perma silence. Hein. T'as 4 secondes de downtime, pour un Ember, ça peut être compliqué de jouer. Ah, est-ce qu'on a envie de reclaquer une smoke côté DU? Ça serait pas mal, c'est incroyable, comme je perds des frames à l'infini, je n'en peux plus. J'ai rien de lancer. Hein. Est-ce que Marvin est pas mal, là? Ouais, il est même sacrément mort, non? Ouais, il est complètement mort. Ok. T'as vu une petite DD, il s'est fait appâter. Yopoman qui a fait de la chasse à la belette. Et j'ai l'impression que c'est encore Siegfried qui sent le bon move. Hein. Regarde. Il a raison, Siegfried. Hein. Il faut busser la Luna. Hein. Je sais pas si c'est ce qu'il a envie de faire. Généralement, quand vous jouez face à Yoluna,
C'est où vous allez trader et vous esquivez les teamfights dès que vous voyez le plus 3 arriver parce que derrière le Yoluna va vous reloquer dessus. Ou alors, vous allez busser le Yoluna. Parce que bah, le plus 3 ne peut pas se reloquer sur le Yoluna. Ils ont des super wards par contre à côté des RDS. Hein. Que ça soit la ward à gauche du AT2 là, qui va fade et qui a donné masse d'infos ou celle au-dessus de l'outpost dans la jungle de DU. Deux wards qui donnent tellement d'infos, qui sécurisent tellement les deux héros là. La Luna qui est complètement lancée, plus de 10 crit minutes. Dragon Lens, BKB. Et Diracine est du seul très discipliné. Ils prennent l'outpost après avoir pris la trait de T2 au top, histoire de contrer la jungle ennemie. On ne siege pas son ennemi dans ce patch. On verra ce qu'il lancera en 7.31. Mais clairement, en 2021 sur Dota 2 et très certainement sur le début de l'année 2022, on ne siege pas son adversaire jamais. C'est synonyme de throw. Biggs, tu te fous de ma gueule ? Pardon. Eh, Lember, est-ce qu'il est réactif ? Il va être charge. Shadowblade, derrière il y a un stun, il y a l'ulti qui avait été posé de la part de la Luna, Lember qui a un ult, il va se faire hit par son Yo, c'est un scandale, putain il s'est fait full par son Yo, il est remonté full pev avec un moment derrière Mekans, et derrière l'énorme contre-engage produit par Intech, ouais, avec c'est... une arène. C'est un Yo qui est bien ça, hein. Un Yo qui est bien, bah ça fait ce genre de choses, et encore il a même pas ult locket. Hein. Et pour l'instant Marvin il est en train de se faire récupérer dans la base quand même, hein. Ouh il a évité la lance, comme il est mort. Hein. Ok il est pas mort, il y va pas alors qu'il a encore un Remnant. Oh, comment il grid Marvin. Oh, il a loupé les bolas, il a perdu la vision à cause de l'arbre. Oh purée, heureusement qu'il les loupe. Alors, s'il y avait la lance derrière disponible pour le Mars. Ouais. Et alors là, c'est la catastrophe. Ça, c'est le teamfight que tu dois pas perdre généralement contre Yoluna. Ça, c'est le teamfight qui donne accès à Rush à la Luna. C'est le premier teamfight BKB de la Luna. C'est là, c'est celui-là. Généralement, si la Luna a eu un teamfight clivant, celui-là, il pardonne pas. Hein. Mm-hmm. Celui-là, quand on entrait dans le mid-game, voir un late game très tôt, hein, très servi vu le net worth de Indeed. Fais quoi comme item là pour cette Luna à ton avis? Je sais pas, tu peux scaddy là non? Tu pourrais hein. T'as les builds, j'aime bien sinon les builds d'Ascadon. C'est magnifique hein. Le meuf avec un one fight, hein. L'ulti Nestalker qui a été posé. On manque de CD quand même côté des racines et du sale. On n'a pas la reine du Mars sinon, notamment qui revient dans 5 secondes. Le NS qui est en train de courir sur l'Ember qui va même pas le terminer, qui va se faire télékinésis par le Rubik. Pendant ce temps, Indeed était à récupérer 2 kills sur du P4 et du P2. Le NS qui va brûler sous les doigts du Rubik. Oui, il est en arblette, il peut pas des toggles. Ok, pas des toggles. Large. En vrai, comme il joue avec Saluna, il pourrait faire des Lushards. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Effectivement. Ouais, complètement. On va voir ce qu'il décide. En vrai, est-ce qu'il a vraiment besoin de stats dans cette game? Je sais même pas. Bah, s'il veut jouer safe et qu'il veut juste aller taper des bâtiments, Skadi Sata, let's go. Franchement, Fly Sata ou une connerie du genre. Ouais, ouais. Mais, en vrai, vu comment est-ce qu'il tank, juste avec le Yo qui lui a accroché sur les fesses, le Lember et le Mars qui lui font tapis rouge dans tous les teamfights. Et ok. Que c'est pour le farm ou... Ça remonte l'allée. C'est OG qui faisait beaucoup de reloquet comme ça. Ouais. Pour macro avec le Yo. Je pense qu'ils ont vu quand même Ogre et Spirit Breaker. Ils sont oui, au cas où. Mais juste remonter une wave comme ça avec la reloquet, regarde le map control que ça leur a filé. Ah oui, c'est pas mal, hein, clairement. Bah, surtout que là, en vrai, il y a quand même peu de chances qu'ils trouvent un nombre de dés isolé. Oh. Je vais un kill important, mid, micro, sur sa Shadowblade, qui a ulti Lember, et qui va solo kill. Aucune idée de comment c'est arrivé. 5 hein. Tips par contre. Ça c'est de la vraie coordination. Il a sacrément fait bâche le cul, hein, lui, comment ça tips. C'est pris cette tips. J'ai peut-être le kill le plus important de la partie. À 10 de FPS, évidemment, parce qu'il faut pas déconner. Oh, c'est dans la tête l'FPS. L'œil humain voit pas au-dessus de 24 FPS, hein. C'est ce qu'on dit aussi. D'accord, ça a été prouvé dans le cinéma à moult reprises. Holy Locket qui vient d'arriver sur notre Yo. Produire un heal monumental sur son héros. BKB quasiment complété par Intech. Elle est où la loulou là? Bah la 4000 c'est son goal. Bah écoute, il peut nous one-shot un petit Daedalus. Hein. En plus, il a Aegis, dans un vrai coup Daedalus tous les jours. T'as Aegis, ouais, tu fais Daedalus charge et il se passe plus rien là. Bah, il va devenir banquier. Daedalus charge, c'est bon. Moi le premier qui m'a montré ce build c'était Patrice. Il y a, je sais pas, 3-4 mois de cela. C'est une dinguerie celui-là quand tu fais des. Et encore lui, il a fait Madness et Dragonlance. Je crois qu'il y a même un build où tu peux faire Madness into Daedalus. Let's go. Alors je tiens à dire que la première personne que j'ai vu faire ça, ce build avec Charm, c'est Imre. À l'époque on faisait pas mal de duels. Attends, mais Imre il faisait pas d'Aedalus, Naked. Hein. Et juste à la sortie de la Charm Luna, il faisait, alors lui il sentait quand même une Sam Skadi avant, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça. Mais c'était un instant by Shard, et dès qu'il avait la Shard, il partait sur Daedalus, soit un item, soit un deuxième item après. Mais ouais, parce que ce build là, quand t'as Daedalus,
Regarde les pefs des mecs en face et dis-toi que la charte va rebondir. Genre, Fitz, avec un Daedalus sur la Luna, il peut se faire one shot sur une charte. Genre, il prend un bim, je pense que s'il prend deux rebonds dans le cul, il est mort. Non. Juste sur un crit Luna, parce qu'elle a charte. Genre, c'est dinguerie cette charte. Quand tu la sors ultra early, regardez les PV de tout le monde côté DU. Et puis la Aegis, je veux dire, il y a Aegis, il y a Yo, qu'est-ce qu'il craint, il a encore 2 minutes d'Aegis. Genre. Il a 2 minutes pour acheter la shard qui va sortir, qui va compléter en 30 secondes à partir de maintenant, plus préparer un item défensif derrière. Bon, vas-y, hein, fais-toi plaisir, chef. Lincoln, ok. Allô ? Mais non, shard ! Non, mais il va l'acheter, il a pas besoin de la queue. Ah oui, bah oui, 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 quand même ! Quand même ! Trop de Lincoln. Il est passé sur shard. Ouais, oui, j'en ai utilisé. Pourquoi à la base, l'idée lui est venue de faire Lincoln dans cette game? C'est les mecs qui jouent Conspire Breaker, ils veulent tous acheter des Lincoln, ça me rend fou. Je pense qu'il y a des games, c'est bien, tu vois. Mais genre, il y a beaucoup trop de Lincoln Conspire Breaker en ce moment. C'est trop, c'est catastrophique. Cet item, il pue la merde. Hein. On est tous amoureux de la Lincoln quelque part, comme on est tous amoureux de l'Ogre Magie P5, hein. N'est-ce pas, Ibrinsky? Mais dans le fond, on sait tous très bien que ça pue la mort, hein. Faut arrêter, hein. Faut arrêter la désillusion. Hein. Oh, il a le ton du chat, quoi. C'est vrai qu'il a pas la shard là, parce que là, il a la shard, l'Ogre Magie, il est mort. Hein. On a envie de profiter de l'Aegis en tout cas, hein, sur cette montée de high ground côté des racines et du sel. Ça va être dur de l'affirmer, de l'assumer jusqu'au bout. Il y a personne qui speed push après côté DU. Hein. Pour l'instant, ils arrivent. Pour l'instant, ils ont gagné les racines et du sel. Hein. Il y a 5 joueurs dans la base côté DU. Bah attends, c'est en train de. J'allais dire, ils sont en train de bien défendre. Mais bon, du coup, c'est glyph offensive, ça change un petit peu de choses. Oh, au final. Non, tu insistes, t'as le Yo qui te met là. Ok, du coup, tu vas engage avec Lambert. Il va route, il va choper Fitz. Derrière, le Lucas posé la part de la Odwing qui va récupérer l'Aegis de la Loulou. Ouais, mettre l'espace par-dessus. Ah, ils vont la relocker de back, ils vont la repositionner, ils vont jouer safe. Il y avait le retour de la glyph dans tous les cas, du glyph, pardon. C'était même pas une erreur de la part de déraciner du sel. Le glyph va être cancel sur le retour de creep. J'ai Ibrin. Un petit peu trop loin. C'est Ibrinsky ? Il me semble, ouais. Okay. Je l'écorche depuis le début de la partie, ça fait plaisir. Enfin, je l'écorche pas, hein, je l'écorche, pardon. Allez, la reine de Hightech ! Pour aller confirmer cette montée de high ground avec la Luna qui, à l'image de toutes les Luna P1 lorsqu'elle est sur high ground, une fois que vous avez tapé la tour, détruit les racks à vive allure. Micro qui va tenter d'activer sa BKB pour Manfight, Sophie qui va activer sa BKB en son tour pour tenter de les récupérer Lio. Ils viennent de tuer Lio, mais pendant ce temps, la Luna fait un massacre sur la frontline des joueurs de DU. Et heureusement que cette Luna n'a toujours pas de charge pour l'instant sur le tout. C'est Marvin qui s'est fait accrocher par le Mars, récupéré ensuite par l'Ember, Ice Pass de Fitz. Luna qui est déjà en train de taper de la T3 au mid. Nouvelle lance pour tenter de protéger Yupoman. On va pas côté des racines du sel avec le Madness de Loulou, histoire de courir. On pourrait presque envoyer un héros en charbon en mode pour faire back les autres. Voilà, Lambert le fait très bien ici. Puis il est bien kick néant. Ouais, il va être slow quand même. Hein. Il va peut-être falloir utiliser un ult offensif. Ouais, mais pas trop la vision. Qu'est-ce que c'est chiant l'Ignite, c'est genre tellement longtemps ce spell. Quand ça multicast un peu là. Oh, c'est bon. Les dégâts que ça fait depuis que ça se stack là, ce truc. C'est incroyable. Et malgré ça, le héros est nul. C'est pas beau. Non, mais le héros gagne. Les stats me contrediront, mais on va dire que. Je pense. Il te faut le bon copper. Déjà, si t'as pas le pote à Bloodlust. J'attends de voir un build legit Ogre Magi multicast. Hein. Non, en vrai, moi, j'ai juste pas du tout objectif. Je déteste jouer ce héros. Je me fais chier comme pas possible. Mais je me mets dans la catégorie des connards qui aiment jouer Spirit Breaker, hein, qui aiment jouer pardon Ogre Magie. Hein. Je suis premier. Hein. Pas de problème, hein. Mais pas pour juger les goûts des gens, hein, mais bon. Surtout quand c'est des goûts de merde, quoi. Mais... Je suis premier, hein. C'est une catastrophe, hein, ce héros. Ce héros a détruit un nombre incalculable d'amitiés, de MMR et de parties dans Dota. Hein. C'est... Ouais. Bah, disons que c'est un peu comme tous les héros RNG du jeu, quoi. Il y a un moment où tu peux quand même te faire un peu ruine par. Ouais, puis bon, je veux dire, c'est le héros ou... Tu sais, c'est le gameplay charentaise, quoi. C'est le gameplay que tu mets derrière ton corps. Tu sors le T, tu sors le play, tu te mets bien. Tu rush Midas, tu te retournes voilà, en 3 minutes à triple Midas. Midas ouais, ouais. C'est... Je vois. C'est à la cool, quoi. C'est tranquille. Hein. Pas trop stressé. Hein. Ah, je préfère cet achat de satanique de Indeed qui était reparti sur le Kubai de Lincoln. Là, on est de nouveau sur les grandes côtés des racines de Yussel qui pourrait décider de back. Ce serait le plan de jeu safe. Ils vont décider d'engage, ils vont trouver la BKB de Marvin. Ça
C'est une arène quand même. D'activer sa BKB. Ouais. Jackie est en train de mourir sur les rebonds. Il est en train de mourir sur la shard. Lou qui va se recharge. Le Yo qui va arriver. Qui va remettre sa Luna full PEV. Qui va activer son ulti avec sa shard. Qui va venir détruire le Spirit Breaker. Qui a profité de sa BKB et des CD défensifs de son équipe pour aller de l'avant. Le Mars pendant ce temps il est allé accrocher l'ogre magie. Qui a un peu peur hein, ce Mars parce qu'il allait un peu loin. Le Spirit Breaker qui a posé une nouvelle charge. Qui a du coup cassé le taser du Yo. Qui va se raccrocher à sa Loulou. L'ulti du Spirit Breaker pour aller scotcher le Yo. La Luna qui est en train de détruire tout le monde avec son Daedalus. En vrai, ça se passe pas si mal hein, pour des justes histoires. Hein. C'est de la merde de monter les Highgrounds dans Dota. Hein. Ouais, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Hein. C'est nul on de monter les Highgrounds. Hein. On avait peur que... Ouais. Perk feed. Comme le P1. J'espère qu'il va récupérer l'équipe avec son NS. Hein, parce que buyback... Ouais, c'est lourd. P1, hein. Ouais. Hein. Ah ouais, et puis en plus là, il y a double. Hein, donc, Il n'y a pas de Remnant sur l'Ember. Il a par contre le Nice Walker. Il va être Void. Le, Rubik, pardon, qui avait volé la charge. Alors... Non, le self-fall ça marche pas, tu vas te faire silence. Si ça marche. Salut. Oh bah, il est revenu avec son Ember. Ok. Le route du roi, c'est mon temps. Ouais, le buyback Nestalker est un peu embêtant là-dessus, mais. C'est légèrement rentable pour eux, cette histoire. Bon. Ouais. Il gagne de l'argent avec son Nestalker là-dessus. Après, il gagne de l'argent, là c'est money time. Tout à l'heure, on avait eu deux joueurs qui avaient buyback côté DU. Je crois que les 5 joueurs sont en situation de buyback. Regarde, le Jakiro n'a pas de buyback. Le SB n'a pas de buyback. L'Ogre Magie. N'a pas de buyback, la Hoodwink n'a pas de buyback et le Nice Walker n'a pas de buyback. Donc là, n'importe qui meurt côté DU, durant les au moins 4 prochaines minutes de jeu, tu prends un teamfight en désavantage numérique s'il y a un seul buyback en face de toi. Mais bon, ça nous montre une nouvelle fois que dans ce patch, il faut pas monter des high ground, il faut enfermer l'adversaire, il faut être patient sur les timings de rush pour aller récupérer les Aegis, les cheese, les shards et toutes ces conneries. Et dire que bah, si on enferme l'adversaire, on pourra récupérer les bounties et l'XP des outposts. Évidemment, mieux farm que notre ennemi. C'est quand même dingue. Hein. Parce que c'est comme une Luna qui est ultra fat avec un Yo derrière. Un Rubik qui a une charge donc il peut replacer cette Luna au besoin. Et malgré tout, c'est difficile de monter le high ground. Et il repart sur sa Lincoln. Bah là, il a complété le satanique. Hein, donc là, il se fait plaisir. Il a one shot un petit Sata. Tranquille. Ok, LM. Oh, ouais, ça, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal, non? Non? On dit non? Ok, on dit non. Sur Ember, c'est bien, non? Ouais, j'avoue, sur Ember, c'est pas mal. C'est vrai, putain, la Berk est quasiment aganime. Le Rubik qui est quasiment aganime lui aussi. Bon, j'exagère sur le quasiment. Le Mars après sa BKB, il est en train de taffer sur une Lincoln qui est un peu envoyé au charbon hein, ce Mars. Qui a acheté une petite charde entre temps, mais voilà, les 6 slots. Il y en a un qui est bien, putain, c'est Micro hein. Avec ses 175 creeps sur son SB P3, bien nourri, qui vient de passer le level 20, qui vient de récupérer le talent de Boospeed. Ibrahim qui se balade un peu avec son ogre. Les deux supports qui essaient d'aller poser le peu de vision qu'ils peuvent. Sale game, hein, pour Fitz en tout cas. Avec son pauvre Jakiro là, son paquebot. Il se fait 3 shots à 4 km. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'ils ont comme allonge? Qu'est-ce qu'ils peuvent chase les corps de DRDS? La Luna avec la charde, le Mars avec sa dagger et sa lance, l'Ember. Bah, parce que c'est un Ember et en plus de ça, il vient de compléter Aghanim. Très bien de mettre l'Aghanim dans l'inventaire d'ailleurs. C'est un conseil, hein. pas de jugement de valeur. Hein. Ah, il récupère. Il va faire son Solar Crest. Ok, oh les burns. Dommage. C'est une belle opportunité pour faire un pick-off. Le TNS qui a été posé. Donc, déjà très très loin côté des RDS puisqu'on fait Roshan à l'opposé pendant ce temps pour aller offrir un second Aegis à la Loulou. À qui va cette charge? Le Rubik à la sienne? Bah le Yo non. Non, l'Ember. Ouais. L'Ember. Donnez la charge à la mort, bordel! Il vient de compléter Aghanim! Ils l'ont donné au Yo, bien sûr. Est-ce que c'est pas le pire timing du Chinese Stalker par contre? Ah si! Parce que là tu vas devoir défendre ton high ground, ça va être le jour. C'est le jour ou la nuit, remarque? C'est encore la nuit, me semble. Mais. Okay. Bon, quand même, hein. Ça veut dire que tu voles pas, ça veut dire que t'as pas les dégâts bonus. En vrai, il y a un truc qui va être marrant. C'est, c'est le jour. Si le Yo est accroché à la Luna, le Spirit Breaker pourra pas charger le Yo s'il est, en reflet du Spirit Breaker par rapport à la Luna. Il a l'espace. Genre avec là, regarde. Là, si le Spirit Breaker essaie de charger le Yo, je pense qu'il est stun. Je pense que Spirit Breaker ne peut plus charger le Yo à cause de la shard. Ouais, il y a moyen. À mon avis, il le touchera jamais. Ou alors, il faut un angle un peu improbable. Quoi. Faut arriver dans le cul.
prendre l'espace de Jakiro. Qu'est-ce que ça travaille sur Rubik? Oh là là là, cette arène, elle est belle, cette arène de Hitech! Avec derrière l'espace qui s'ensuit du Rubik! Et le burst de la Luna! Et l'Ember qui va dive avec son Magalim, avec sa. Son Arcane Rune! Marvin essaie de faire ce qu'il peut avec sa Hoodwink, mais. La belette. Fait pas grand chose. Oh, c'est un hommage pour des racines du sel. Ouais, c'est un peu la différence de l'Ember qui paye aussi, hein, quand même, on va pas se mentir. Ah, bah, c'est violent, ouais. Allez, c'est fibre. Qui tentera ce barreau d'honneur. Et derrière des racines du sel qui vont pouvoir s'avancer fièrement. En grande finale, mesdames et messieurs, pour cet escalier des divisions de la Frigate TV League. Confiant, Dieu. Confiant, ils annoncent leur retour. En fait. Alors qu'ils devraient affronter une équipe de D2 encore, si je dis pas de bêtises. On va voir qu'on sait pas, parce qu'il y a le match en parallèle. C'est en parallèle, parce que c'est après. Ouais. Alors... Il a fait 25 000 de dégâts avec son Rubik P4, putain. Ouais, il y a une vraie bonne game, Yopoman. Hein. Après, quand même, je suis très déçu de ne pas avoir vu DU jouer plus au sud de la map, comme l'a eu fait à un moment donné Sirifield, et comme l'a fait naturellement Micro, parce que bah, son héros veut que tu restes sur la lane pour farmer, etc., etc. Yep. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, ma bonne dame. Alors, que nous disent... Alors là, c'est le moment où... là, c'est le moment où je crash, Istar. C'est le moment où je fais de la preview sur mes scènes et je change mes scènes en parallèle. Et c'est le moment où tu meubles. Du d'accord. Coup, alors, ça n'a pas encore été... Non, ça a peut-être été update. Ah, mais j'ai mis pause. Attendez. Ah, terrible. Et Willem va me jeter par-dessus. Hein. Ben non, ça n'a pas ouais, été... Ça en est où? Ça en est où? Ça n'a pas été à jour sur le bracket, fille. Alors, je suis bourré. J'ai pas l'impression. Attends. J'ai pas... Attends, parce que mon RTMP a planté. Oh ouais. Oh, c'est le meilleur des moments. Là, c'est le moment où je... Oh ouais. Lire. Lis-le, s'il te plaît. Oh, disons. Oh, que là, il y a encore Drunken Corruptor contre Gang. Le match est fini. Je vais voir dans l'onglet tournoi, ouais, ce sera plus simple. Oh, je lag. Les rhumatismes du PC. Au secours! Ah, la game est pas finie, me semble. Hein. Ah! On va attendre un petit peu. Parce que là, du coup, nous, on va aller vers du lower bracket, puisque l'équipe de DRDS, si vous ne l'avez pas suivi, confirme sa place en grande finale. Donc, nous, on va descendre vers le lower pour le remonter ensuite avec la grande finale qui sera jouée en BO3 entre des racines et du sel. Et ben, on doit connaître l'adversaire. Avec la finale lower bracket qui va arriver dans un instant. Oula, oula, mais attends, mais il y a un problème technique? Pourquoi? Que la gang contre DC. Ils sont à 5 minutes de jeu seulement. Et alors? Et il me semble qu'on attend ce match pour prendre la finale, le Warbracket. Bah c'est le match qu'on doit suivre, oui. C'est ce match-là qu'on doit suivre? Ou c'est le match d'après? Attends. Mais je l'ai pas sous les yeux! Pourquoi tu me fais douter comme ça? Bon, parce que là, tu m'emmerdes. Là, ce qu'il joue, c'est le round 6 en parallèle, donc des second gang. Et ce match-là, on est qu'à 5 minutes. C'est pas moi qui déconne. Alors attends. Attends, parce que moi je relance le navigateur, là. T'énerve pas, je te sens stressé, Ista, je te sens énervé. C'est à ce point-là, c'est le navigateur qui... Ah non, mais... Mec, j'ai VLC de...